avec Julien Capellani, responsable du tournoi des 5 châteaux. Julien, comment se passe ce tournoi? On est à une semaine. Comment ça se passe? Très bien, on n'a pas de retard sur les plannings, ça va parfaitement. La météo est pour l'instant plutôt clémente, donc c'est top. Ce week-end, entrée en lice du coup des troisièmes séries. Voilà, donc tous les quatrièmes séries ont joué jusqu'à hier soir. Ce week-end, troisième série. Deux matchs par jour ce week-end pour la plupart des joueurs, avec des matchs sur Saint-Paulien et sur le site également de Polytechnique. On va dire, c'est le premier tournoi post-confinement sur le bassin du Puy. Oui. Est-ce que tu as senti une certaine émulation, une envie? Est-ce que tu as senti plus de. Est-ce qu'il y a plus d'inscriptions que d'habitude ou pas? Alors, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est qu'on est passé sur un tournoi sous 15 jours. D'habitude, on fait 3 semaines. On a beaucoup d'inscrits, on a plus de 100 inscrits. Donc, ça, c'est top. J'ai senti que les gens avaient vraiment envie de rejouer au tennis. Voilà, notamment chez les secondes séries. On a un tableau final qui est super intéressant avec 10 secondes séries. Ça monte jusqu'à 3-6. Donc, les finales seront très intéressantes à partir de vendredi prochain. Oui, les gens ont envie de rejouer après cette période de confinement qui a été un petit peu difficile. Donc, voilà. Des favoris sur le Des tournoi, des têtes de favoris, tir, enfin, comment ça se passe? Il y a des... nous avons ouais, la présence du gagnant de l'année dernière. Déjà, ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'il revienne mettre son titre en jeu. Ensuite, 3-3-6, un ancien 1-6. Donc, oui, plusieurs favoris avec un tableau final qui sera très sympa chez les garçons. Puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer sur différents sites aussi. Ce Exactement. tournoi, c'est pas seulement à Saint-Paulien, c'est aussi à Polignac, c'est sur des surfaces quasiment neuves. Exactement, voilà, nous avons refait les cours à Saint-Paulignac l'année dernière. Nous avons des cours tout neufs également sur le site d'Alègre. Les cours de Saint-Paulien, comme vous pouvez le voir derrière, nous avons deux cours couverts qui seront prêts début septembre. Donc voilà, on a vraiment un très bon site, un très bon club et c'est top pour la suite de la compétition. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite au Tennis Club des 5 Châteaux. Merci Allez, Julien. merci beaucoup.